Et pendant que les Israéliens célèbrent les 10 ans du meurtre de Rabin, les officiels de l'autorité palestinienne se sont réunis à Ramallah autour du tombeau de Yasser Arafat pour les 1 an de sa mort. C'est le chef actuel Mahmoud Abbas qui a dirigé les cérémonies. Un office religieux mené par le numéro 2 de l'autorité palestinienne, Ahmed Khoury, a ensuite été donné en la mémoire de l'ancien chef de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat, donc, qui repose à la Moukata depuis novembre 2004, date de son décès. Yasser Arafat reste toujours pour les Palestiniens le seul leader capable de mener à bien leur lutte populaire.